L'association des servantes du Christ du Burkina Faso poursuit la célébration de ses 40 ans à travers le pays et puis 14 jours à bord d'un bateau. C'est le défi que vient de relever Greta Thunberg pour prendre part à la COP25 à Madrid. Ce sont là les titres de cette édition, dames et messieurs. Merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Mobiliser des fonds pour la réalisation du projet Fast Job and Food de sa vision VA, c'est le modèle, sinon le mobile de ce dîner gala organisé par la Fondation Ravi le dimanche dernier. Plusieurs structures étatiques et plusieurs bonnes volontés ont répondu présentes à cette invitation. Fabienne Sawadgo et Alexandre Wango pour le reportage. C'est en 2015 que la Fondation Ravi a vu le jour à Ouagadougou sous l'initiative d'un Burkinabé qui a pour vision de booster la jeunesse et la jeune féminine burkinabé à l'entrepreneuriat. Convaincu que la pauvreté n'est pas un manque de ressources, mais un manque de vision et de stratégie appropriée, la Fondation Ravi œuvre pour la mise en place de projets durables et susceptibles d'employabilité des jeunes et des femmes. Et c'est dans cette perspective qu'est née la vision VA, qui se traduit par « Rendre ma localité vivable et agréable », dont l'objectif global vient du concept « Fast Job and Food ». Ainsi, dans la quête des fonds pour la réalisation de cette vision, la Fondation Ravi a organisé un dîner galant ce dimanche 1er décembre 2019 au pavillon Soleil Levant du CIAO, dans le but de mobiliser les ressources financières nécessaires pour ce projet. À cet effet, ils ont procédé au lancement Uniton, un ton d'union pour la vision VA, qui est un téléthon pour la vie intégrale au profit des populations rurales et déplacées. Le défi, c'est simplement mobiliser tous ceux qui ont la volonté vraiment de faciliter et mobiliser le maximum de Burkinabés à pouvoir accompagner une grande partie de la population, pratiquement 80%, qui travaille que 3 mois dans l'année et les 9 mois sont désœuvrés. Donc on n'utilise pas tout leur potentiel et pour nous c'est une richesse qu'il faut exploiter, les amener à travailler 12 mois sur 12 et de pouvoir multiplier dans nos calculs pratiquement par 40 la production, c'est-à-dire en espace. On va multiplier par 10 et dans le temps par 4, au lieu de 3, c'est 12. Donc ça nous permet d'augmenter et de multiplier la production par 4. Ce que nous connaissons actuellement par 4, c'est possible. Donc le défi, c'est simplement avoir les moyens pour pouvoir le faire. Et pour nous, les moyens sont disponibles. Il suffit que nous nous mettons ensemble au travers Uniton. Je disais tout à l'heure que 1000 francs, même les étudiants, les commerçants, les élèves peuvent réunir ça par semaine. 1 million de personnes. Nous sommes pratiquement 20 millions, mais peut-être 80% qui peuvent le faire. Mais 1000 personnes seulement, et 1 million, 1000 personnes, ça fait 1 milliard. Le promoteur exprime sa satisfaction à l'issue de ce dîner de lancement Uniton, tout en invitant tous les fils et filles du Burkina à mettre la main à la pâte pour un développement meilleur du Faso, car son bien-être dépend de tout un chacun de nous. Quelques chiffres déjà dans ce que nous avons entendu, nous ne sommes pas moins de 20 millions, ce qui s'est passé localement ici. Les dernières enveloppes n'ont pas ouvert. Mais nous sommes pas moins de 20 millions déjà pour ce petit nombre de lancements avec 3 jours de communication. Voilà, déjà, le mode de paiement, c'est simple par virement sur la plateforme, sur ravi.social. Et même de l'extérieur, nous avons donc la possibilité de payer de l'extérieur. Donc localement, il y a Orange Money, MobiCash, mais il y a aussi directement par chèque ou par virement, ceux qui nous contactent directement. Je vais dire, ce n'est pas que des dons. Nous avons ouvert large. Prenons par exemple l'actionnariat. Les entreprises que nous voulons créer, vous voyez, en 4 mois, ces entreprises sont productives. Et en 1 an, nous avons un retour sur investissement. Ça veut dire que si vous mettez votre argent dans la création d'une entreprise agricole et vous avez un retour sur investissement en 1 an,
C'est-à-dire non seulement vous avez vos dividendes, mais après vous pourrez récupérer vos capitales. Des personnes de bonne volonté ont laissé parler leur cœur en cette soirée à travers des dons. Aussi, il est à noter que la Fondation bénéficie de l'accompagnement des acteurs étatiques tels que le ministère de la Jeunesse, des énergies renouvelables ainsi que certains collaborateurs. Souffrance d'ouverture de ce sentiment qui sévit, alors le cœur fera une pause, quelqu'un perdra la vie. Les médias feront des proses. La célébration des 40 ans de l'association des servantes de Christ des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se poursuit dans la région. Avec ce week-end, la région de Boulmiougou Sud qui nous a donné de voir une célébration riche en sons et en couleurs. Moïse Kinda nous fait l'économie de cette rencontre. Tout en célébrant les 40 années de l'Association des servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le souhait du retour de la paix au Burkina Faso reste la priorité dans la vie de chaque Burkinabé. Et les femmes de la région du Boulmiougou Sud l'ont exprimé au travers des chants à l'occasion de la célébration de son 40e anniversaire. Cérémonie qui a commencé par un défilé des femmes des différentes églises de la région au rythme de la fanfare de 602. Le pardon, une puissance qui libère, est le thème autour duquel se sont focalisés les enseignements des trois jours livrés par le docteur Jefté Sawadogo. Et à cette cérémonie de clôture, l'orateur s'est penché sur l'action de grâce à laquelle il a fait ressortir cette raison qui doit pousser le chrétien à rendre grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons pu voir ensemble. Nous avons parlé du pardon en tant que puissance qui libère. Et au cours de cette semaine, nous avons vu l'importance du pardon. Nous avons vu les conséquences du refus de pardonner. Et nous avons vu aussi comment il est difficile de pardonner. Mais cependant, la parole de Dieu nous ordonne, nous recommande de pardonner. Et bien que ça soit difficile, nous avons le Saint-Esprit qui peut nous aider donc à pouvoir pardonner. Et cela donc est donc possible. Nous avons abordé le thème sur l'action de grâce et nous avons vu sept raisons de louer ou de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons vu que la vie de l'homme, de façon générale, nous sommes ingrats. Nous oublions facilement ce que Dieu fait pour nous et ce matin, il nous a été donc donné de rappeler les bienfaits de Dieu. Et j'apprécie en tout cas l'attitude de l'AEC qui est de marquer une pause pour rendre grâce à Dieu pour les 40 années passées. Et ça, c'est très important et c'est ce que la Bible nous demande d'ailleurs de faire. Et c'est une joie immense qui anime la présidente de l'Association des servantes de Christ de la région de Boulmiougou Sud de voir ce projet réalisé. Je suis dans la joie parce que Dieu était avec nous durant ces temps de célébration. C'était un projet, mais Dieu nous a permis de le réaliser sous sa protection. J'invite les femmes à mettre en pratique l'enseignement reçu qui est le pardon. Dans les foyers, au service, à l'église, chacun doit pardonner et Dieu va les aider. Des moments de louange et d'adoration à Dieu, mais aussi des temps intenses de prière pour les foyers et la paix au Burkina Faso.
Dimanche dernier, l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célébrait la journée nationale du Lango. Et c'est au temple Ebenezer de Sarfalao, dans la ville de Bobo-Dioulasso, que nous avons fait le culte. Prestations de chorales et des groupes divers, c'était le menu de ce culte. Et également en présence de Delphine Banissi et toute l'équipe de CVK pour nous faire revivre ces moments, c'est maintenant. Selon la constitution des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le premier dimanche du mois de décembre est consacré au Conseil général. Ainsi, ce dimanche 1er décembre, nous avons célébré la journée nationale du Larango au temple Ebenezer de Sarfalao à Bobo-Dioulasso. Dès 8h, le peuple de Dieu était déjà en place pour le culte dominical. Prestations de groupes de chorales, chants d'ensemble ont précédé la prédication de la parole de Dieu donnée par le pasteur Michel Ouedraogo, pasteur principal de l'église. Suivant le mot d'ordre de l'année pour cette église basée sur le chapitre 4, versets 18 à 19 de l'évangile, selon Luc, l'orateur a indiqué que Dieu a mis son peuple à part pour délivrer les captifs de la possession démoniaque. Cependant, il est nécessaire de savoir que la présence d'un démon dans la vie d'un individu occasionne la faiblesse spirituelle, cause des maladies. En outre, le démon peut aussi s'opposer à l'exaucement des prières. Quelles sont donc les portes par lesquelles l'esprit mauvais peut s'introduire dans la vie d'un individu? Le pasteur Michel indique qu'elles sont multiples. Sur le plan spirituel, il se déguise, il obstruit la conscience et l'intelligence du peuple de Dieu, il cause la faiblesse. Et il y a des portes d'entrée, comme nous l'avons vu, telles que l'occultisme, l'idolâtrie, et la perversion sexuelle et même la musique. Donc le message avait pour but donc, de nous mettre en garde et de nous donner les éléments sur lesquels nous devons nous baser pour fermer la porte à l'ennemi. Voilà en gros le résumé du message. Un message d'interpellation, les fidèles se disent édifiés. Il a tenu précisément à nous dire de ne pas être ignorant, de savoir qu'il y a une vie diabolique. Le diable travaille à détruire notre vie. Et ces portes, nous devons retenir particulièrement de ne pas pratiquer l'idolâtrie. L'idolâtrie sous toutes ses formes. L'idolâtrie par la vie avec des sectes. L'idolâtrie par une vie, physique très mal entretenue, à savoir l'adultère, toutes les pratiques, la proxénétie dans la vie, toutes ces pratiques sont des portes ouvertes par lesquelles notre vie chrétienne est entravée. Le message est précis, hein? Lorsque vous vous mettez à genoux, vraiment les forces du mal sont enclenchées. Ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir envers nous. Donc ce matin, je le retiens, je le répète, nous avons intérêt aujourd'hui à nous mettre à genoux. Luc, le chapitre 4, du verset 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Thème principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Sarfalao à Bobo-Dioulasso pour cette année 2019. Israël est l'un de ces petits pays au monde qui a réussi à maîtriser l'eau malgré la dureté de son sol. Grâce au génie de ses chercheurs, il a pu mettre en œuvre plusieurs solutions au point où aujourd'hui il fournit de l'eau à ses voisins. C'est une technologie qu'il met au service de tout le monde entier et en particulier les Africains. L'eau, c'est la vie. Mais aussi un défi. Car comment approvisionner en eau la population mondiale croissante? Il est un petit pays du Moyen-Orient qui semble avoir trouvé de nombreuses solutions. C'est pour cela que les nations du monde entier se tournent vers Israël pour obtenir des réponses. Et se sont donné rendez-vous
du 18 au 21 novembre à la 8e édition de Watek Israël. Cette exposition professionnelle se tient tous les deux ans et réunit des dirigeants d'entreprises israéliens et internationaux, des ingénieurs des services d'eau, des décideurs politiques et des chercheurs. Israël est un pays aride. 60% de notre masse continentale est désertique. Malgré tout, l'agriculture est le principal moteur économique. L'irrigation a donc toujours été le principal défi. Certes, on savait que le miracle agricole israélien s'exportait aux quatre coins de la planète. Mais c'est ici un autre savoir-faire qui attise la curiosité et la convoitise des visiteurs. Le recyclage des eaux usées. Car Israël bat des records dans ce domaine. Près de 90% des eaux usées sont recyclées, contre 35% pour Singapour et 27% pour l'Espagne, en tête de liste des autres pays. En Israël, ces eaux recyclées sont utilisées pour l'agriculture. Un pourcentage à faire pâlir ou rougir les autres États, c'est selon. Ici, solutions et technologies sont exposées. Tous les continents y sont représentés. Et l'Afrique n'est pas en reste. À l'instar de cette délégation du Ghana, menée par Cecilia Abena Dapaa, la ministre des Ressources et de l'Assainissement de l'Eau, et le docteur Joseph Siao Adjepong, fondateur et directeur exécutif de l'entreprise ghanéenne Jospong Group of Companies. La société du docteur Adjepong dispose du portefeuille le plus diversifié au Ghana. Avec une fortune personnelle estimée à près de 600 millions d'euros, cet entrepreneur est devenu multimillionnaire, notamment grâce à la gestion des déchets. Sa société regroupe plus de 45 entreprises et emploie plus de 250 000 Ghanéens. Alors forcément, toutes ces startups qui montrent les dernières technologies en vogue aiguisent son appétit. Des systèmes pour purifier les eaux usées, pour sécuriser les infrastructures d'approvisionnement en eau ou encore pour la distribuer. Et ce n'est pas que pour le continent noir que l'eau devient une préoccupation urgente. Là-bas comme ailleurs, les populations mondiales affluent vers les grandes villes. Plus d'habitants et moins d'eau. Tel est le problème. Israël a transformé un désert en une nation capable de fournir de l'eau à 8 millions de citoyens, tout en exportant vers ses voisins. Greta Thunberg, du nom de cette adolescente engagée dans la lutte contre le changement climatique, est arrivée à Lisbonne à bord d'un bateau. Elle a refusé de prendre l'avion afin de limiter son empreinte carbone. Très attendue à la COP25, la jeune fille entend faire bouger les lignes dans ce combat contre le changement climatique. La jeune activiste Greta Thunberg a débarqué mardi à Lisbonne après avoir traversé l'Atlantique à bord d'un catamaran de 14 mètres. L'adolescente suédoise, devenue le symbole de la défense de l'environnement, ne prend pas l'avion afin de limiter son empreinte carbone. Il lui a donc fallu 20 jours pour regagner l'Europe et se rendre dans les prochaines heures à Madrid pour représenter la jeunesse lors de la COP25. Je pense que les gens sous-estiment la force des enfants en colère. Nous sommes en colère parce que nous sommes frustrés pour une bonne raison. S'ils veulent que nous cessions d'être en colère, ils devraient peut-être arrêter de nous mettre en colère. Stop making us angry. Le sommet mondial sur le climat a débuté lundi. La jeune activiste y est très attendue. Elle a été capable de faire bouger les choses, d'ouvrir les cœurs de nombreux jeunes et de nombreuses personnes partout dans le monde. Nous avons besoin de cette énorme force pour intensifier l'action climatique. Nous devons y faire face plus rapidement, de manière plus profonde, pour lutter réellement contre le changement climatique. Nous avons donc besoin de Greta ici, avec toute cette force. Greta Thunberg s'était rendue à New York en bateau en septembre dernier pour assister au sommet de l'ONU sur le climat. Elle y avait dénoncé l'inaction des dirigeants mondiaux dans un discours poignant qui avait fait le tour du monde. La jeune militante doit se joindre ce vendredi à la marche pour le climat dans la capitale espagnole. Pour ce soir, on s'arrête là, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se retrouve bien entendu demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir.